destruction pareille. Ah, c'est le plus de tristesse. Vous allez être un gars du bain pour y faire. Eh, hey, mais si t'y fais pas, mon poulot qui kiffe là. Hein? Le culé. Culé. Dis donc, foutriquet, vous allez quand même pas vous arrêter tous les 200 mètres, hein? Moi, je suis attendu à 6h. Si je suis pas à 6h10, je vous botte les fesses. Ça m'enjeunira. Et oubliez pas qu'à mon âge, toutes les occasions sont bonnes et que tous les coups sont permis. Allez, roulez! Mais bon, qu'on voit ça par chez nous, là. J'ai dit qui vous empêche d'y rester par chez vous. On vous demande-t-il à quelle heure qu'elle sonne vos cloches, on s'en fout, nous. Petit pauvre Blaise. Qui se manigance dans vos confins, non seulement on s'en fout, mais ça nous dégoûterait plutôt. Qu'est-ce qu'il en prend? Qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont qu'ils sont chez eux, mais qu'ils n'ont plus l'âge de se laisser casser les sabots par des opinions étrangères et conifiantes. Place qu'ils ont. Qu'un, aux alentours des années 12, avec le Blaise quand il avait encore ses rhumatismes et puis que moi j'étais pas verminé par l'âge, eh ben on faisait un drôle d'équipage avec le talon. Aussi bien à la chopine qu'à la mazurka ou pince-fesse, ça y allait la manœuvre. Hein, dis? Val si ça y allait, hop. Et à table, Pinard. De l'eau dedans, comme si j'avais 6 mois. Qu'un, c'est pas de ma faute si j'ai 65 ans, j'ai mis assez de temps pour les avoir. Non, entre nous, c'était une belle femme, la Deltalon. Oh, elle était gracieuse, mais peau de pêche en dehors, peau d'aran dedans, un caractère, puis ça pourrait lui s'arranger, là. On va pas trouver un moyen pour les faire fourcher. Ça y a-t-il, les bagueules? J'aurais pris le temps, j'aurais au moins pu me dégourdir les jambes dans un couloir. Et puis aller aux toilettes. Votre train, fallait le prendre, votre train. Ah, mieux en mieux, mal poli par sur le marché. Ah, y a pas à dire, dans la vie, faut toujours se fier aux apparences. Quand un homme a un bec de canard, des ailes de canard et des pattes de canard, c'est un canard. Et ce qui est vrai pour les canards, l'est vrai aussi pour les petits merdeux. Bravo, gars! Viens-y, mon Baptiste! Oh. Ce qu'on aurait aimé connaître, nous autres, c'est le temple d'Angkor. C'est rare, ça, le temple d'Angkor. Bon, c'est bien que c'est rare, surtout entre Étampes et Pithiviers. Je voudrais pas faire de peine à personne, Étienne, mais plus con que toi, c'est rare aussi. Monsieur, tu malmodes, vieille grimace. Eh ben, je pense que tous tes petits galapiens, moi, c'est la mariette que je pincerai. Vieux cochon! T'entends ça, le Baptiste? T'entends-tu, vieux malade? J'entends. Moi, je suis point pinceur. Ah! Mais j'avoue que si je l'étais... Ça que j'ai vendu, bouli! Ce que je vais te dire, c'est inscrit, hein. Faut que tu me jures que tu vas pas le répéter à personne. Bon, ben bien sûr, c'est juré. Je te le jure. Car je te le jure sur la tête à Poulossière. Ben, Pithiviers. Il y avait un nom de dieu de pute, un petit trou du cul de chef de gare. Concubalant chef de gare. Alors ça, mon boulot, ça c'est la meilleure. Elle parlait qui s'aventure dans notre pont, dans les costumes que le tire comme un lapin. J'ai un coup de 7 à l'ouette, un coup de 5 à gauche, je vais faire un doublé de connard. Mollis pas, Jean-Marie, t'as la loi pour toi. Mais vieux gars, faut point vieillir. On a le droit de tout faire, à te voler, de piller, mais faut point vieillir. Mais qui chante là? Eh ben, je dis que quand on est vieux, on sait quand c'est qu'on se baisse, mais on sait pas quand c'est qu'on se relève. Je dis que quand on est vieux, il faut mieux aller chez les vieux. Tiens. Mais non, c'est pas les yeux qui sont mauvais, c'est les blagues qui sont trop cool, faut tout choquer. Et on me demande pourquoi tu as apporté des fleurs, vieux marteau. Parce qu'on passe devant le cimetière et je veux pas paltir sans dire le voir la malie. Dis donc, toi qui avais dans l'idée de rire un peu sur la route, voilà que ça commence par le cimetière. T'aurais peut-être mieux fait d'y porter des nénuphars, ça y aurait rappelé des souvenirs à la marine. Qu'est-ce que tu viens d'oser dire là, hein? Vilain cocu! Sale ventre un chou, comment tu m'as appelé? J'ai dit que ton adèle, y'a que le train qui y était pas passé dessus. Retire ça tout de suite, ou bat ton cimetière, tu vas le visiter en criant. Ah, les vieux gars, qu'est-ce qu'il faut? Ah, je suis là. Bon, je nous ai entendu en flingue qui se lève. Où? Là. 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 Ça va-t-il pas bientôt finir? Bande de vandales. C'est pas un bistrot ici. Y'a plus d'une heure que je vous entends gueuler comme des sarrasins. Le poulot, faut pas t'agiter, c'est le Jérôme Ardouin. Ah merde, moi je suis complètement paumé, là. Avec qui elle a du monde? Ah bah dites-moi, mes braves, vous êtes du pays? Bah quoi que ça paye foutre. C'est des touristes, ils doivent faire la Vendée. Et ils ont qu'à la faire en chemin de fer. Avec le train, tu prends un billet pour un endroit, t'arrives à cet endroit et t'emmerdes personne, quoi. Ah, c'est vous? Qui c'est qui vous a demandé de vous arrêter? Alors à cette heure, on traque le promeneur paisible, c'est du racolage. Donc je me suis arrêté parce que vous m'avez fait signe. Moi? Oh!